Débuté convenablement le 30 septembre dernier, la rentrée scolaire 2019-2020 accuse un léger retard dû aux parents qui pensent encore aux inscriptions et réinscriptions de leurs enfants. Le fait pour eux d'être limité par les moyens financiers. Quel parent gabonais qui va inscrire son enfant avant le 25? Qui va inscrire l'enfant le 25 au 27, on peut dire que c'est pour les fonctionnaires. Mais avec la précarité là, tous les parents ne sont pas fonctionnaires. Cette attitude de gabonitude est au regret par le directeur de l'école publique de Simon 3. Celui-là depuis le sens. Les parents d'abord ne viennent pas. Les parents, il y a 5 jours, je crois que j'ai enregistré en tout 68 élèves sur à peu près 800 et quelques. Pour l'heure, la faute n'incombe plus aux parents. J'ai déjà fait depuis la semaine dernière. Et apparemment, c'est pour lundi. Mais plutôt à l'administration, comme nous l'explique cet enseignant d'SVT. Ils ont bloqué les inscriptions et inscriptions pour donner le service à la nouvelle école. Donc, c'est ce qui ralentit un peu le déroulement. Soulignons que la rentrée scolaire prendra son réel envol le lundi 6 octobre prochain et que les apprenants pourront jouir de leurs droits à l'éducation.